pleine campagne. Il est beau, hein. Bonjour à tous, bienvenue au tournoi de la ville de Toulon. Nous sommes ravis d'accueillir les 24 équipes de ce tournoi. Les jeunes, pour l'instant, se sont bien comportés, respectant les valeurs du rugby, la solidarité, la convivialité, et puis surtout le fair play vis-à-vis de l'arbitre et de l'adversaire. Ce tournoi se déroule sur 2 jours, bien entendu, et là on arrive à l'apogée, puisque cet après-midi il va y avoir la finale à Mayol. Et on est heureux, bien sûr, et un peu chauvin, que l'équipe de Toulon arrive en finale contre Narbonne. Mais par ailleurs, beaucoup d'équipes ont manifesté des valeurs techniques et morales dans la pratique du rugby. Notamment l'équipe de Chalon, qui peut-être est mal classée, mais et qui a fait bonne figure. L'équipe de Hier aussi, qui nous a surpris. Et puis les équipes du Morillon, qui sont la révélation de ce tournoi. Voilà. On espère que la finale sera de toute beauté et que le meilleur gagnera. Bonjour. Je sais pas si c'est là, ou si c'est. J'ai pas regardé la tribune, c'est là-bas. Alors vous avez fini, vous êtes combien au classement là? On sait pas. Vous savez pas? Non. On va deuxième sur 24. Au-delà pas du... sûr. Un petit mot pour ce tournoi là, pour vos collègues? Bon, on était déçus sur la dernière action parce que la finalité, on aurait mérité d'en avoir une deuxième, mais l'arbitre n'a pas concédé. Pour vous c'est difficile, c'est... Oui. Alors comment vous allez vous ressaisir? Au prochain match on va tout donner. Très bien. Un mot à votre président de Brignoles. Il est courageux d'être venu, de nous avoir supporté. Voilà. Merci d'être là, ça nous aide. Bah, écoutez, on vous remercie infiniment. Ouais. Et bon tournoi, bonne fin de tournoi. Merci. Et vous êtes quand même ici dans le temps du rugby à Hostel Mayol. Ça vous fait une émotion particulière d'être au Hostel Mayol aujourd'hui? Il y a un petit peu plus de pression et puis ça fait plaisir quoi. Merci beaucoup. J'en prie. Ça va? Ah monsieur. On n'est pas là, nous. Oui, non, mais c'est parce qu'ils sont restés. Ah, allez les gars, c'est là-bas. Est-ce qu'ils pourraient me faire leur petit cri de guerre ensemble là? Ça serait sympa. Un petit cri de guerre. Voilà, un petit cri de guerre là, les Brignolais. Allez, approchez les gars. Avec le coach, ça serait super. Allez, bougez pas, bougez pas. Voilà, voilà, c'est moi, voilà. Voilà, allez. Venez là. On va faire le cri de guerre de Brignoles. Voilà. C'est qui, c'est nous? C'est qui, c'est nous? C'est Brignoles. Allez, voilà, super. Allez, allez, on est prêts. On est prêts. Non, mais c'est qui ça? Je suis pas avec vous. Ah, c'est qui? C'est tout le monde. Voilà, c'est qui? Ah, Brignoles. Je fais celui de Brignoles. Ouais, celui de Brignoles. Allez, commence. Prêt? Ah, nous, les terriens du Pilou Pilou qui descendent dans la montagne vers la mer. Pilou Pilou. Ah,
avec nos femmes échevelées, les deux enfants, l'ombre des grands groupes du blanc. Pilou, pilou. Nous les terribles du pilou, pilou, poussons ce terrible cri de guerre. Ah, des terribles cris de guerre. Ah, masque brignol. Masque brignol. Masque brignol. Il y a Pascal Arnaud. Fais-le subir. Ah non, mais sauf que... Filmez-moi, hein. Bonjour, Corentin, du Stade Français, avec Nalwenn, du Stade Français également, histoire dans deux heures, un match important au Stade Mayol. Quel est ton sentiment? Très impatient de jouer dans ce stade où il évolue des grands joueurs, donc on verra bien comment le match va se dérouler, mais très impatient de jouer dans ce grand stade en tout cas. Autrement, d'où vient votre ferveur pour le rugby? J'ai pas compris. Ta faveur pour le rugby, comment tu as aimé le rugby? Ah, j'ai commencé pour voir la télé et après je me suis approché en club de rugby dans une petite ville à l'Argentine et voilà. Après j'ai jamais arrêté. Porter les couleurs de la capitale, c'est important? Oui, bien sûr. C'est un rêve de petite et voilà, et tu t'entraînes pour ça. Un message pour ta famille, tes amis, ton supporter, tes coachs? Ben moi c'est mon dernier match là, c'est mon Stade Français, que je quitte le club l'année prochaine. Donc je vous dis merci à tout le staff, merci à tous les coachs et surtout à ma famille qui m'a toujours soutenu. Voilà, ben écoutez, on vous souhaite un excellent match et on vous souhaite un bon moment. Là nous sommes au club, au cœur du Stade Mayol, et on vous souhaite une longue vie, une longue carrière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vous demandais. Bonjour, les espoirs sont aujourd'hui au Stade Mayol. Quel est votre émotion particulière? Non, je suis trop timide. Trop timide. Quand vous apprenez, vous êtes trop timide. Quelle est votre émotion pour jouer au Stade Mayol aujourd'hui? Un petit mot pour votre carte de battre. Ouais, c'est une émotion importante. Après j'en ai d'autres, hein, j'ai collection. Alors, t'as vu les Rockies? Quoi? Je te jure. De jouer aujourd'hui au Stade Mayol. Qu'est-ce que ça fait? Oui. Ça fait plaisir. C'est tout. Tu t'appliques, Non, encore.
Ouais, d'autres mots, dans ta carrière, c'est important parce que c'est prévu par autrement à Mayol, un symbole pour Toulon, et aujourd'hui c'est un challenge de la ville de Toulon par rapport à l'exemple que tu es. Tu pourrais nous dire d'où vient ta ferveur et ton amour pour le rugby? Pour recommencer, j'ai rien compris à la question. D'où vient ton amour pour le rugby? Mon père qui m'a initié au rugby quand j'étais tout petit, voilà. Et c'est Florent Frésia qui m'a fait aimer ce sport, voilà. Un message pour ta famille, tes amis, tes supporters? Je les aime aussi. Je les aime autant que j'aime Florent Frésia. Et pour le président Olivier Guyot du président de la FTA, attention. Je l'aime comme ça. Voilà. Merci beaucoup. De rien. François Joseph, il s'appelle Bordeauxville. François Joseph, bonjour. Un petit mot avant cette rencontre. Oui. Un petit mot avant cette rencontre. C'est un honneur de représenter la maison rouge et noire dans le temple de Mayol. Je suis très honoré de jouer à côté des joueurs de la classe de Florian Frésia qui est parmi nous. Et voilà. Et d'être dans les vestiaires de l'équipe première, là où Johnny Wilkinson, Tana Umaga, les grands noms du rugby, c'est pour toi un exemple et un oui, c'est un exemple. Ça me donne des envies un peu de masturbation, tout ça. Mais après, on verra selon le moment hein, ce qui me passera par la tête. Et voilà. Un dernier mot pour les supporters de ta maman, ta famille, à mes tâches. Je souhaite dire à ma maman que je l'aime. Bon, mon papa n'est plus là. Et merci à tout le monde, à tous mes supporters qui vont venir aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Ah ouais, bien, bonjour, bravo.